la chance d'utiliser des Nikon Z9 sur l'ensemble de la captation, aussi bien au sol que sur le rover ou sur le Steadicam. Équipé de 400 mm de 8, de 70-200 de 8, de 24-70 de 8, un 14-24. Très ouvert, donc on a une très belle profondeur de champ, ou alors on a des images qui sont vraiment d'une qualité assez incroyable. La grosse force du dispositif aujourd'hui, c'est qu'on est en direct et que du coup on récupère cette image à la fois en câblé, filaire ou en HF. Et tout est mixé dans la régie. Tout remoté depuis NX Field pour pouvoir avoir la main sur les recs, les diaphs, la colorimétrie, la balance des blancs. Ça, c'est top de top. Enregistré en interne en 4K 25 RAW pour pouvoir le post-monter derrière au besoin. Le Z9, c'est un choix, mais vraiment à refaire. Déjà, j'étais très heureux de tester le Z9 couplé avec un 400 mm de 8. Quelque chose d'exceptionnel à manipuler, à avoir entre les mains. Ils sont à la hauteur de ce qu'on pourrait avoir avec des caméras cinéma, avec des grosses optiques très cher. Là, on est dans un équipement, on va dire, qui est presque abordable, avec une qualité d'image vraiment impressionnante.